Alors ce soir c'est le vernissage de l'exposition Lave l'année se souvient, exposition qui a été montée par l'association Lave l'année d'hier à aujourd'hui, que j'ai le plaisir de présider depuis quelques années maintenant. Cette association organise pour sa plus grosse fonction le spectacle Raconte-moi Lave l'année tous les premiers week-ends du mois de juillet dans le parc de la mairie. Et voilà, là c'est un nouveau défi que s'est lancé l'association, c'était organiser une exposition pour commémorer la fin du centenaire de la guerre de 14. Alors cette exposition se compose de différents modules. Il y a un module où c'est les Lavelanéciens et de cœur et les Lavelanéciens résidents qui ont contribué en prêtant des objets, des vêtements, des photos, des courriers de famille ou bien récupérés de génération en génération. Et ensuite il y a une partie reconstruction que nos bénévoles, les bénévoles de l'association, ont monté et montent depuis 4 jours ici, salle Jean Ferrat. Alors, l'exposition est visible du lundi 5 au dimanche 11 novembre de 10h à midi et de 14h à 18h tous les jours. Pendant cette semaine de commémoration aussi, d'autres défis ont été lancés à nos bénévoles. L'organisation d'un spectacle joué en direct pour la première fois, salle Georges Méliès, dans le même espace que l'exposition, jeudi 8 novembre à 20h45. Et on finira par une fête le samedi 10 novembre à 19h30 au marché couvert par un dîner-spectacle comme en 18. Et toutes ces animations à Lavelanée, bien sûr. Thank you.